Tree of Life de Terrence Malick est un film composite dont certaines parties n'ont pas l'air de raccorder, mais l'essentiel, c'est ce qui se passe au cœur du film. C'est l'histoire d'une famille qui grandit dans les années 50 avec trois fils et dont on apprend en début de film que l'un d'eux va mourir. Alors, ce que montre Malick, c'est quelque chose de très impressionniste, et il fait ça en montrant quelques images qui sont absolument stupéfiantes et qui prouvent que c'est l'un des plus grands cinéastes actuellement en activité. Alors comme ça, vous n'avez pas rencontré Terrence à Cannes cette année? Eh ben, je suis pas du tout étonné, moi je suis son petit-fils, ça fait à peu près 5 ans qu'on l'invite à notre déjeuner dominical, il s'est jamais pointé. When Terry first asked me to be in the film, I hadn't read the script yet. I had been auditioning for months and just would, he would tell me kind of little snippets about what the story was, but he didn't give me the script. And then once I got the script, which the day after he asked me if I'd like to be involved, that's when I first read the section about the whole creation and I saw the dinosaurs. I was like, oh, this movie is way bigger than I ever imagined. Je pense, mais il faudrait que tu acceptes de le jouer, c'est-à-dire qu'il faudrait que je t'arrache la joue en prenant en levrette, mais c'est un peu difficile. Donc on va couper et après voilà. Non non mais c'est les nerfs à vif, ouais. Les nerfs à vif, c'est j'adore cette scène dans les nerfs à vif. Bonjour. Régi par la loi, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un salaire maximum régi aussi par la loi? Ça s'est entré petit à petit dans les cerveaux. Je viens d'avoir une information supra-confidentielle. Vous êtes devant. De peu, d'un cheveu, mais vous êtes devant le président.